Salut à tous, c'est Popo84, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. J'ai demandé à la SPA Vauclusienne, donc la SPA la plus proche de chez moi, de m'accueillir aujourd'hui pour un petit reportage. Je vous laisse apprécier ce reportage, on se retrouve en fin de vidéo. Bonjour Brigitte, donc on se retrouve maintenant à l'extérieur du parc des animaux. J'ai quelques petites questions pour vous, vous allez pouvoir y répondre j'espère. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Donc présentez-vous un petit peu, dites-moi ce que vous faites un peu ici et quel est votre rôle. Alors je m'appelle Brigitte, je suis soigneuse animalière, donc je fais soin des chiens, soin des chats, beaucoup plus les chats en ce moment. Je transfère... les chiens qui sont donc, une fois par semaine. Je travaille beaucoup avec la vétérinaire, donc on fait le point sur certains animaux et je m'occupe un peu de coacher un peu les salariés. Voilà. D'accord. Donc vous m'avez dit que vous soignez un petit peu plus les chats en ce moment. Oui. Une particularité peut-être en ce moment pour les chats?
Parce que l'été, ben, il y a beaucoup de chatons qui arrivent et beaucoup plus de chats aussi. Donc du coup, on me sépare des soins des chiens pour que j'ai plus le temps de m'occuper des chats. Donc tout ce qui concerne beaucoup les chatons. D'accord. Pendant au moins 3-4 mois là. Ouais, une bonne période encore. Oui. D'accord. Donc, vous me disiez aussi que vous occupez des chats. Est-ce que vous occupez aussi de l'adoption de ces chats? Oui, adoption chat, chaton et des fois chien, quand il n'y a pas les bénévoles pour. D'accord. Ça consiste à quoi votre travail dans l'adoption d'un chat ou... Alors, à accueillir ben, les gens, à répondre à leurs questions, à beaucoup leur expliquer comment s'occuper d'un chat, comment l'accueillir à la maison et essayer de voir si les gens sont aptes ou pas à ce qu'on leur confie un animal. D'accord, donc vous vérifiez si la personne peut s'en occuper C'est ça, dignement c'est ça. de cet animal. Ok. Donc sur vous, on a Loulou, Oui. un chien. Est-ce que vous avez une anecdote par rapport à ce Loulou? Et il y a son petit copain là, qui est Pékin. Loulou est mon assistant, Votre assistant. c'est-à-dire qu'il me suit partout dans le refuge. Et ben, les chats n'ont pas trop peur de lui. Lui n'a pas peur des chats. Il s'entend bien avec les chiens. Et ça va faire à peu près 2 ans, 2 ans et demi qu'il est au refuge. Il est arrivé très très craintif. Et ben, j'ai mis à peu près 1 an pour avoir cette relation avec lui, comme ça. Et Pékin? Pékin, ça fait 3 mois qu'il est là. Pareil, il est arrivé craintif. Et du coup, lui, il a recopié Loulou. D'accord. Mais lui, Il est juste allez. derrière, mais il a un peu trop peur de nous. Lui est un peu plus indiscipliné. Bonjour Mireille. Bonjour. Dites-moi un petit Oui. peu qui vous êtes Oui. et que Alors, faites. que je suis donc, moi, d'une part, je suis administrateur, je fais partie du conseil d'administration de l'association, hein, depuis quelques années. Je suis bénévole, évidemment, hein, bénévole depuis 19 ans maintenant, hein, au sein de cette association. Et je m'occupe en particulier donc des adoptions chiens. Voilà, je ne suis pas la seule, mais je fais partie de l'équipe qui s'occupe des adoptions de chiens. D'accord. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'adoption? Est-ce que vous Oui. avez des conditions particulières? Eh bien, oui, bien sûr, comme beaucoup de refuges, voilà, d'après ce que nous savons, nous demandons, nous faisons remplir une petite aide à l'adoption, si vous voulez, un petit formulaire qui nous aide à comprendre donc les conditions de vie des personnes pour pouvoir placer le chien qui peut convenir. Voilà. Hein, donc, nous demandons si les personnes ont déjà des animaux chez eux, chien, chat, sexe évidemment, hein, proposer un chien qui pourra aller dans cette famille-là, hein, sans problème. Nous demandons aussi donc si les personnes habitent bon, un appartement, une maison, si les personnes sont clôturées ou pas, tout ça. Tout ça influe quand même sur l'adoption, sur le choix de l'animal, hein, Oui. évidemment. Sans clôture, c'est difficile, hein, C'est ce qu'on disait tout c'est à l'heure lors compliqué. de la visite, C'est que compliqué. on va pas prendre un chien chasseur en appartement ou si on a un jardin non clôturé parce que Voilà, c'est c'est des sûr. chiens qui ont tendance Qui à ont s'enfuir, tendance à, à voilà, à partir fuir de piste, vagabonder un voilà, petit c'est peu ça. donc et peut-être Exactement. ne pas revenir. Alors Oui. ça sert à rien Ou d'adopter un. revenir, mais alors c'est quand même assez dangereux, hein, Ce qui est dangereux voilà, puisque hein, à l'heure d'aujourd'hui avec les absolument. voitures, tout ça, Exactement, hein, c'est beaucoup plus on n'est pas dangereux. perdu dans la campagne, et voilà, Pas tout le maintenant monde, c'est c'est ça, pas sûr. tout le monde, hein, voilà, de moins en moins, en fait. Ok. Et s'il y a des enfants jeunes, s'il y a ça aussi, c'est important parce que bon, il y a certains chiens qui ne vont pas avec des enfants très jeunes, voilà. Hein, dont on connaît Le le passé, caractère. voilà le caractère, donc ça c'est très important. Donc, est-ce que vous pouvez Oui, nous dire un petit peu le coût d'adoption? voilà, ça le coût d'adoption. Alors pour concernant les chiens, ça peut aller de 150 euros jusqu'à 200 euros pour une femelle stérilisée. Voilà. Ça dépend justement de la stérilisation qui a eu lieu ou pas. Bon, pour un très jeune chien ne peut pas être stérilisé avant l'âge d'un an, quoi. Hein, D'accord. voilà, c'est pas possible de faire ça. Donc 150 euros et après un mâle castré 180, une femelle stérilisée 200. D'accord. Voilà, donc OK. ce coût donc comprend également les vaccins. Hein, le chien est à jour de ses vaccins et il est identifié.
Voilà. Qui suce les ongles. Voilà, plus la stérilisation. Plus la stérilisation, plus les vaccins. Donc c'est un ensemble. Donc entre 200 euros maximum. 200 euros maximum pour une femelle stérilisée. D'accord. Comment on peut vous aider? Alors, nous aider pour. Voilà, il y a différentes façons d'aider. Hein. Alors, financièrement, je dirais que c'est une. Oui, vous avez un site. En tout premier lieu, sans argent, on ne peut rien faire. Hein. C'est d'abord financièrement. Donc, pour vous aider, on peut aller sur le site de la SPA Vauclusienne, que je mettrai dans la description. Mm-hmm. Donc, vous avez juste à cliquer. Si vous voulez faire un don en ligne, vous pouvez. Après, on peut vous aider aussi de façon matérielle. Oui. Oui, on demande, d'ailleurs nous faisons appel régulièrement lorsque, alors bien sûr le linge, on en a besoin, hein, couverture en hiver, mais ça quand même nous en avons beaucoup. Maintenant les gens le savent, ils viennent régulièrement, hein, voilà, apporter donc des draps, des serviettes, voilà, parce que pour les animaux en soins, on a besoin de tout ça. Hein, d'accord. Et donc... Voilà, c'est vrai qu'avec la période caniculaire, vous avez besoin de parasols. On a besoin de parasols, de voiles d'ombrage, tout ça, voilà, évidemment. Donc c'est des petites choses que si les gens n'en veulent plus, peuvent donner directement à la SPA Vauclusienne. Ou après, même dans d'autres organismes qui peuvent aider du moment que ça aide les animaux. Après, je pense que tout le monde y gagne aussi. On parlait de donc matériel. On parlait de financier, alors, on peut parler de manuel aussi, parce que vous avez besoin aussi de personnes, de bénévoles qui peuvent vous aider. Dans différentes tâches. Alors justement, de bénévoles qui pourraient aider donc sur l'entretien du domaine, voilà, un espace vert. D'accord. En particulier. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure en off avec le monsieur. Avec le monsieur, il est tout seul à entretenir un grand domaine. Vous connaissez la superficie du domaine? Je ne pourrais pas vous la donner. Donc, donc le monsieur, c'est vrai, il est tout seul à entretenir le domaine. Ça fait un peu beaucoup de choses. S'il y a des personnes à la retraite ou qui ont du temps de libre et qui veulent donner 1, 2, 3 heures par semaine, ça aide toujours un petit peu. Donc si vous voulez prendre contact aussi, n'hésitez pas à aller dans la description. Le site y est toujours. Que ce soit pour les dons ou pour un petit coup de main, vous pouvez contacter par rapport au site ou au numéro de téléphone qui est sur le site. Donc en aide supplémentaire, vous proposez aussi donc le parrainage. Le parrainage, qui existe depuis quelques années, oui, en effet. Voilà. Et les personnes peuvent parrainer un chien ou un chat, hein, voilà. Donc pour une somme de minimale de 8 euros par mois. Voilà. D'accord, donc pour 8 euros par mois, on peut parrainer un animal. Voilà. Chez vous, et puis ça permet aussi de faire vivre aussi la SPA Vauclusienne pour cet animal-là. Cet animal-là, ou même, alors le parrainage peut aussi servir pour d'autres, pas forcément l'animal, bon, si c'est l'animal parrainé a besoin évidemment, hein, mais quelquefois les animaux parrainés n'ont pas de problème de santé. Ils n'ont pas de besoin spécifique, donc, ça permet aux autres. Donc s'il y en a un qui a besoin de problèmes de santé, bien l'argent du parrainage donc sert aussi s'il y a une intervention un peu coûteuse à l'extérieur par exemple, vous voyez qu'on ne peut pas faire ici, donc ça c'est important, voilà, on le prend sur le parrainage. D'accord. Donc c'est pas forcément pour ça sert de façon pour des soins la plupart du temps. Voilà. Pas de soucis. Quelquefois aussi pour d'autres choses, même ponctuellement, mais surtout pour les animaux et les soins. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Bien, bonne journée. Voilà, au revoir. Petit disclaimer, j'ai eu un petit souci avec l'une de mes caméras, donc je vous ai affiché la photo de Monsieur Thomas en haut à droite. J'espère que ça ne vous gêne en rien sur la vidéo. Merci, bon visionnage. Bonjour Monsieur Thomas. Bonjour. Présentez-vous en quelques mots, dites-moi un peu. Eh bien, je suis Bernard Thomas, je suis président de la SPA Vauclusienne depuis 2003, donc ça fait déjà un bon moment. Et je suis dans cette association depuis... plus de 30 ans, en conseil d'administration en tout cas. Et voilà, donc ma fonction, c'est d'essayer d'animer toute cette équipe du refuge du Petit Pigeolet, qui est assez nombreuse, et de faire vivre ce refuge qui a une longue existence maintenant, hein, plus de 50 ans, et ce n'est pas une tâche toujours très très facile. D'accord. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Vous êtes président, vous maniez un petit peu les chiffres. En Vaucluse, combien d'abandons chaque année? Et bien, c'est un chiffre qui est très important, hein, pour une petite structure comme la nôtre. Hein. On estime à peu près à 1500 animaux chiens et chats
qui sont abandonnés dans notre structure. Ça ne veut pas dire que ce sont Pas des dans vos abandons cuisines. dans le département. Voilà, c'est Hein. dans votre Dans structure notre à vous. structure, cela représente 1 500 animaux par an, hein, abandonnés. On annonce des chiffres beaucoup plus importants, mais c'est assez difficile d'avoir des chiffres fixes, enfin sûrs en tout cas. Mais disons qu'on peut facilement, en ce qui concerne les chiens, peut-être compter, je dirais, 2 000, 3 000, 2 à 3 000 en comptant les chiens. Et par contre, en ce qui concerne les chats, je pense que c'est des chiffres très très importants, très très élevés, parce que il est beaucoup plus facile d'abandonner un chat dont on veut se débarrasser, de le mettre dans un fourré, dans un jardin, etc. Un pour la chaise, c'est quand même plus difficile, on a quand même un peu plus de scrupules. C'est sûr. Donc on parle d'abandon, on va parler de bonnes choses aussi. Au niveau des adoptions, au sein de votre refuge, ça représente quoi? Alors, au niveau de notre structure, on va dire aussi en chiffres ronds, ça doit représenter à peu près 1 000 chiens et chats adoptés chaque année ici au Pigeonnier. C'est des chiffres qui sont assez stables. Il faut considérer qu'en France, eh bien, la situation n'est pas flambante, hein, au niveau des adoptions. Il y a beaucoup de refuges qui peinent à placer leurs animaux. C'est des situations un peu de crise, parce que les gens ont plutôt de moyens. Bon, on adopte maintenant plus facilement des chats que les chiens. Bon, les frais sont peut-être plus importants pour un chien. Donc voilà, c'est un contexte qui est difficile. J'estime qu'on a de bons placements sur ces 1 000, il y a très peu de retours. Voilà. C'est aussi ce qu'il faut viser. Hein. Il ne faut pas faire non plus du chiffre, Non. hein. Il faut faire de bons placements avec des adoptants qui vont garder la même toute la vie. C'est ça. Vous parliez tout à l'heure de la structure que vous animez. La structure représente combien de personnes? Alors, c'est très variable. En permanence, ce qu'on appelle les permanences, ce sont les salariés. Nous avons 22 salariés au refuge, dont un vétérinaire et demi, c'est-à-dire un à plein temps et un à mi-temps. Voilà. C'est à peine suffisant pour s'occuper de quand même 250 chiens en permanence et 300 chiens en permanence. Hein. C'est à peine suffisant. Donc, il nous faut absolument des bénévoles et on a une bonne équipe de bénévoles assez fournie. Certains sont là tous les jours, d'autres un peu moins selon leur disponibilité. Et grâce à eux, eh bien, on peut faire des promenades de chiens tous les jours. On peut entretenir les locaux. On peut faire des plantations, hein, pour mettre de l'ombrage. Enfin, diverses tâches, du bricolage, l'entretien du parc, tout ça. Et cela représente 9 emplois à plein temps. Hein, toutes les heures de bénévolat qu'on additionne, eh bien, chacun, ça représente 9 emplois salariés. Donc, c'est quand D'accord, même pas rien. c'est pas rien non plus, ouais. Donc vous avez 22 salariés, donc on parlait tout à l'heure des dons Oui. que l'on peut faire à votre structure, mais est-ce que vous avez le droit aussi à des subventions? Alors, il y a des subventions qui, enfin, ce ne sont pas des subventions, c'est des prestations, c'est ce que les communes nous versent au titre des conventions de fourrière. Et ça, le code rural maintenant oblige les communes à faire quelque chose pour les animaux errants. Donc, en Vaucluse, la plupart des communes ont une convention et nous confient leurs chiens ou leurs chats, enfin, surtout leurs chiens errants. Donc, évidemment, elles payent une participation, une contribution forfaitaire. Et puis il y a le conseil départemental de Vaucluse aussi qui régulièrement chaque année nous subventionne à hauteur de 13 000 euros pour des missions sociales. Hein, ce sont les aides que nous accordons pour prendre en charge les animaux dont les personnes, les propriétaires ne peuvent pas assumer les soins. Donc ça aussi c'est des missions très importantes que nous assurons. Hein. Et ils nous aident aussi à payer les campagnes de stérilisation des chats libres. Ça aussi, c'est une grosse entreprise que nous faisons, que nous tenons beaucoup, parce que ça permet de maintenir les effectifs De de limiter la population, de population des limiter, chats errants aussi voilà. dans chaque Donc pour centre-ville. ça, on reçoit ces aides, mais il est évident que ça ne compense pas toutes les charges, et ça, c'est la générosité publique, hein, C'est ça. qui nous aide. Hein. D'accord. Donc cette action de stérilisation, vous faites tout au long de l'année, Oui, tout au long de donc l'année. sur plusieurs communes aussi. Donc c'est vrai que si vous souhaitez participer donc financièrement à ceci, je le redis encore une fois, le site de la SPA Vaucluse se trouve dans la description. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le refuge ainsi que sur les actions menées. Thomas, merci à vous de m'avoir accordé ce temps et de m'avoir permis de passer un peu de temps dans votre SPA Vaucluse. Elle se trouve donc à l'île sur la Sorgue.
Oui, Ville-sur-Sorse, sur la route de Fontaine de Route de Vaudreuil. Fontaine, Vous avez voilà. fait un très beau site qui nous a été légué par une bienfaitrice. Voilà. Donc, si vous voulez prendre plus de renseignements, n'hésitez pas sur le site de la SPA Vaucluse qui sera en description. Merci à vous, Et bien, passez une bonne fin de journée et à très bientôt, j'espère. merci Merci aussi à vous. pour cette interview. Au revoir. Au revoir. Stop! Avant que tu partes, j'ai un dernier message à dire. Prendre un animal, c'est une responsabilité. Alors, il ne faut pas les abandonner. Merci de faire partager ce message à tous ceux que tu... Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, j'espère. Au revoir.